mais là, me dites pas que la licence virus a vidé les caisses, franchement, quoi. Là, c'est juste que ça a été codé n'importe comment, par n'importe qui, je sais pas. J'achète votre pull. Mais putain, j'en ai trois pour chenille, qu'est-ce que c'est la boucherie, Martin? Je m'en fous, je m'en fous, je me reste à moi. Bon, un café. Et vous? Pour ma femme. C'est ma femme. Trouvez-moi une femme. Et vous? Elle programmé le feu de virus pour moi. C'était cher que vous étiez l'homme de la situation. Niveau 3. Chaque nouveau niveau, c'est l'occasion de rigoler un peu plus. Là, vous savez, je rencontre un agent de sécurité et Sutter et lui décident de rester là pour garder la salle vide pendant que moi, je vais faire le taf à leur place. C'est vraiment une sale manie que ces zombies ont, toujours tombés du plafond, sérieux. En fait, il y a un truc qui vous sauve à chaque fois que les ennemis vous tombent dessus, c'est que le jeu, il est tellement mal codé. Ouais, ben, non, si, si, je suis désolé, le jeu est tellement mal codé que dès que tu croises un peu de monde, t'as les FPS qui chutent à mort, le jeu qui se met à tourner au ralenti, et le seul bon côté, c'est que ça rend le truc faisable, en fait. Vous voyez, regardez ça, dès que les ennemis sont morts, les FPS reviennent à la normale. Virus a inventé le bullet time dans le jeu vidéo 2 ans avant Space. Enfin bon, grâce à ça, moi, on a tout le temps admiré les superbes ennemis du jeu. Mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est? Bon, enfin, mais ces zombies, c'est censé faire peur, on vient de carnaval de Nice! Et puis là, tant que j'y suis à parler des ennemis, les développeurs.